Voici quelques secrets pour mourir très vite. Il faut chaque jour avoir des problèmes avec sa femme. Je dois m'expliquer rapidement. Avez-vous remarqué que Dieu, qui est très juste, dit à l'Église de prendre soin des veuves? Qu'en est-il alors des veuves? Ils se sont, donc Dieu pense que dans cette affaire ici, l'homme mourra avant. Donc on ne doit pas prendre soin de lui parce qu'il mourra avant. Scientifiquement, la femme vit plus longtemps. Et scientifiquement, la femme est bien constituée. Lorsqu'il y a une crise entre une femme et son mari, la femme a beaucoup de ressources pour tenir. On rapporte que le fait de mettre au monde, par exemple, tuerait tous les hommes mâles. Mais vous voyez des mamans comme les nôtres, un enfant, deux enfants, elles n'en meurent pas. Elles n'en meurent pas. Elles sont bien constituées. La Bible dit que la femme, c'est un être faible. C'est ce que la Bible dit. Mais ne croyez pas qu'elle est faible en toutes choses. Non. Si tu as toujours des problèmes avec ta femme, ce qui va se passer, c'est que tu vas craquer. Vous savez, quand un homme a un problème avec sa femme, l'homme va au boulot très fâché. Mais la femme, là où elle reste, elle appelle son ami. Tu sais ce qui s'est passé ce matin dans cette maison? Il dit, non, je ne sais pas. Non, mais monsieur était fâché. Moi aussi, très fâché. Mais là, elle est en train de rire. Du coup, il y a relaxation de ses nerfs. Mais l'homme là-bas, aujourd'hui, quelque chose doit arriver. Et la chose qui va arriver ne sera pas bonne pour l'homme. Vous voulez vivre longtemps? Arrangez avec votre femme. J'ai créé, je suis en train de prêcher maintenant un enseignement qui montre aux femmes, je parle aux femmes, comment garder votre mari en vie. Comment surtout garder son cœur. Je parle du cœur physique, pas du cœur spirituel. Parce que les frustrations sont comme des coups de poing. Alors si vous les recevez chaque jour, chaque jour, chaque jour, un autre jour on va vous enterrer. Et quand l'homme meurt, la femme souffre. Donc c'est un complot des ténèbres. Gardez votre mari en vie. Ne vous fâchez pas éternellement ni continuellement. Non. Déstressez ce monsieur ici. Il a envie de manger. De manger quoi? De manger le riz. Rien que ça. Il dit, maman, aujourd'hui, merci d'arranger moi. J'ai besoin de manger le pondu et le riz seulement. Toi, n'ajoute pas et le poulet. Non. Lui voulait manger juste ça. Peut-être qu'il était très blessé dans sa famille quand on servait le riz et le pondu. Il voulait juste réparer une vieille blessure. Mais. Deuxième moyen pour mourir rapidement, prêche sans avoir mangé. Oh non, moi j'aime l'onction. C'est l'onction elle-même qui te tuera.